Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Grimrock consacré à la suite du temple de Gormorgh, étage 2. Nous étions arrivés juste devant une salle que nous avons pu ouvrir avec l'aide de deux clés et qui mène donc vers un téléporteur. Mais avant, je voulais répondre à l'énigme posée par l'ami Valandril sur le « qu'est-ce que je fais de mes cadavres ?» Il m'a bien utilisé le terme « cadavre ». Qu'est-ce que tu fais des cadavres ? Et j'ai mal compris ce qu'il a dit. Je pensais pas spécialement, parce que j'ai les ossements de Torum, cherchez son nom. Et je pensais pas à qu'est-ce que tu fais quand un de tes personnages est mort. Quand un de mes personnages est mort, je le ressuscite. Vous entendez au loin un soupir de soulagement. Je sais pas, enfin, il m'a dit que ça permettait un nouveau mode de jeu, mais je ne le verrai que lorsque j'y serai confronté. Alors là, on va jouer Indiana Jones, comme d'habitude. Prenant la clé d'une prison. D'accord. Finalement, j'aurais peut-être pu faire ça lors du dernier épisode, puisque l'épisode 10 semble être terminé. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode 11, le tombeau. C'est la petite blagounette, bien entendu. Bah oui, hein, parce que bon, voilà. Voilà, hop. On tire tout ce qui est truc comme ça. Pourquoi il y a encore un escalier qui descend? Ce niveau est scellé. J'ai pas tellement le choix de descendre. Bienvenue au niveau... Dans ce nouvel épisode sur le niveau 12 intitulé La prison et qui a l'air totalement différent des autres. Prison. Vous êtes très proche maintenant. Je n'ai pas à attendre que vous soyez endormi. Il y a longtemps de cela, ils ont bloqué le portail en brisant le mécanisme. C'est ici, tout près. Trouvez-le. Ok. Donc on est dans la prison. Alors, le tout indique qu'il y a quand même un... potentiellement un 13e niveau. Voilà, il y a des trucs bizarres là-bas, je sais pas ce que c'est. Bon, alors. C'est bon, hop.
Les sceaux des portes s'ouvriront si les chaînes, si les chaînes du prisonnier sont rompues. Ah bah oui, mais non. Oh là! Le prendre de face comme ça, c'est pas la meilleure idée. Que 750 en XP pour ça. Après, faut... bon, c'est pas un énorme machin à tuer. Ils ont détruit le mécanisme. Ils l'ont démonté pour s'assurer que le portail restera fermé. Mais il peut être remonté, je sais comment. Pour ouvrir le portail, vous devrez retrouver toutes les pièces manquantes. Il en manque 4. Trouvez-les. Et merde. Suit. Quand même. Ils vont pas monter à cet étage là, je peux dormir. Quand même. Oh, il est au même niveau que l'autre maintenant qu'il a du mana, c'est comme l'autre avec la vie. Enfin, c'est... Ouais, on va dire que c'est bien, sauf que je me suis trop tourné. Oh oh. Qu'est-ce que je suis censé faire là en fait?
Ah oui, comme s'il me remettait un coup alors que je suis déjà monté. Bon. Merde, j'avais pas vu qu'il était à terre. Oh là 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 là. Bon, ça m'évitera de dormir 10 ans. Ça, je peux jouer en même temps. Personne qui m'attend. Ils vont pouvoir arrêter avec ce boucan, c'est infernal. Ça ne peut pas se déplacer sans bruit. De faire des allers-retours, je préfère faire large morceau, recharger une partie sauvegardée. Faut mourir un moment quand même.
Oh non. Oh yeah, j'ai pas gardé la clé de la prison, c'est dommage. J'aurais pu me la laisser. Bon, il n'en reste plus qu'un. Les gars, ça fait pas beaucoup. J'ai quand même l'impression que maintenant je dois me laisser tomber dans les trous. Le test, on va dormir ici. En chance de me faire attaquer. Moi aussi, je me réveille en même temps. Alors. Ça fait des trous. Minerai, que faire? Des torches? C'est qu'à foutre? Allez, 5. 5 kilos d'engrenage. Forcément. Ouais, on se calme. Tu te calmes. Oh bah ils vont être lents et puis basta. Hein. Cadre métallique. On se traîne, mais on se traîne.
tiens. Non, là, pas déconner, il veut pas. Ouais. Les torches, ça va plus moi. Potions, les fioles. J'ai appuyé sur un mouton. Ah. En maille. Non. Oh non. Oh, mais reviens, non mais reviens.
Ah bon? Ah non, non, non. Je vais y retourner, mais d'abord, s'assurer quand même que tout le monde va bien. Saleté. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Après, il faut peut-être les faire dans un ordre particulier. Toujours vivant. T'es pas censé être calmé, toi. Retourne ensuite par là une fois que les aurais réa.
En attendant. Vas-y, jette ça aussi loin que tu peux. Au-delà. Oula. Tu sais, j'ai déjà ouvert. En fait, non pas que je sois spécialement attiré par le fait de les voir monter de niveau, mais c'est vachement long là. Ce qui veut donc dire qu'on peut se spé à... Ah bah oui. On peut se spé à 50. En fait, là, il devrait être spé à 50, mais si on le fait, c'est pété pour certains persos. Allez, on se fait pas trop de mal, voilà. Pire, si je retrouve quelque chose, je le ramasserai encore. Mais normalement... Voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à... réanimer ces personnes. Trésor trouvé. Un de plus. Oh, je vais les laisser là, les torches. Pire, si j'en ai besoin, je finirai par en retrouver. Je crois. J'espère. J'ai bien fait de passer par là, moi. J'ai pas de clé. Oh, pardon, autant pour moi. Alors là-bas, il y a l'air d'avoir une épée et des bombes. Une armure complète de plate. Des ressources. Oh, c'est... C'est tellement décevant. Oh là là, oh, c'est décevant. Oui, c'est très décevant là quand même. Ah, pardon, j'ai déjà fait celui-là. Ah, une lame de feu, une autre. Oh, on sait jamais. Cet endroit là, à moins que j'oublie des trucs, c'est fait.
Ça se voit ce qui va là. Mais j'essaye un peu de tout. Même ceux que j'ai déjà fait. Non, ceux que j'ai déjà fait là ici, ça devrait être bon. Là on a un machin et là on a la buse. Un récipient à vapeur. Ok. Là, ici, je n'ai rien placé. Buse de vapeur. Récipient à vapeur. Engrenage. Injecteur. C'est un engrenage qui manque ici. Essayer celui-là. Ça passait partout. Ah, me voici complet à nouveau. Ah bon? Parce que c'était pas. C'était toi depuis le début. Oh là là. Je ne m'y attendais pas. La seule liberté que tu auras est la mort. Oui, là j'admets, je me souvenais plus que ça serait un cube.
Il est resté ça. Petit dodo. Semble avoir vu une clé ou un truc comme ça. Où est-ce que tu mènes, toi? Tombeau des créateurs. Saleté, va. Bah, tu veux qu'on joue à ça? On va jouer à ça. Regarde, j'ai des flèches. Ça m'aide pas. Question de rapidité. Une clé, une deuxième clé. Là, ça redescend. Oh non. Une clé. Si c'est ça, je dors.
Et puis c'est tout. Ah. Il en faut encore plus. Hey, et de 7. Ça sert à quoi? Dis un. À quoi ça sert? Sérieux? D'accord. Non mais je sais pas, je vais prévoir le coup en avance, mais je fais ça beaucoup trop tôt. Je vais le faire. Non, non, mais non. Maintenant. D'accord. Ah ok. Et voilà. Et voilà pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce que c'est que ce mec? J'avais pas vu que mon mec était naze. Maintenant.
Ouais. Bon, après, à moins de faire un petit 5000 en XP. J'ai pas sauvegardé non plus là. Je pensais que j'avais mon mage avec moi, mais je non. Allez, ce sera largement suffisant, le jeu est sauvé. Nous sommes les créateurs qui avons construit cette prison dans un seul but, contenir les mortels jusqu'à ce que l'orage du temps se repose enfin. Au cas où les mortels se réveilleraient, nous laissons derrière nous la seule arme capable d'apprivoiser la bête. L'arme de puissance est cachée dans les ombres de cette tombe, mais pour vraiment blesser l'immortel, vous devez la mettre en pièces, morceau par morceau. Quand il est incomplet, il peut être tué. Arme de puissance. Ah, ça n'a rien. Ok. Ok. Ah non, stupide, je vais me foutre dessous. Tuer les monstres après, ce qui reste. Non mais sérieux, je... Non. C'est pas du tout brillant ce que je fais.
pas grave. Salut Valandrine! Ça va? Ouais. En fait, quand j'ai arrêté hier, il restait une minute dans le niveau parce que je suis allé voir ce qu'il y avait du côté de mince. Ah. Enfin, dans la chambre où j'étais, là, je suis allé voir. Et puis, ton énigme, j'ai répondu. Hein. En fait, quand tu m'as dit, tu fais quoi en général des cadavres, j'ai pas pensé à... Ah, il est en train de me parler de moi quand je meurs. Enfin, de mes persos quand ils meurent. Donc, je les ai déposés sur une pierre. En général, mes morts, je les réanime. L'injecteur. Ah ah, tu ne peux pas m'avoir, je suis ici. Je peux me reposer, mais ça ne sert strictement à rien. Ah non. Oh bah non, ça ne sert strictement à rien, ça doit se suicider. J'ai eu le message, mais j'ai pas cherché plus, je sais pas vraiment ce que ça a fait. Bon, après, tu m'as parlé d'un mode, alors je me suis dit, bon, bah, après, si c'est un mode de jeu complet. Viens ici, espèce de lâche. Oh, je suis là, t'inquiète pas. Oh là là, oh, on se calme. Si tu recrées une partie, ton premier personnage, tu l'appelles Thorum, tu vas voir. D'accord. Mais ouais, dans le jeu, j'ai pas de truc à faire supplémentaire. Thank you.
Ouais, j'allais dire, faut que je m'écarte peut-être un petit peu. Par contre, ça donne qu'une seule clé de prison. Ah non, mais non, mais non, mais j'ai des clés de prison là à utiliser sur les quatre serrures. Et je te remercie. Les quatre, enfin les quatre serrures là près de lui, je vais quand même pouvoir y retourner ou c'était juste histoire de dire qu'il y en avait? J'avoue que la fin, elle est kéké quoi. Legend of Grimrock. Tada! Alors, si on crée les personnages, et que le premier, on l'appelle. Thorum. J'ai pas dit que je voulais spécialement. Ah! D'accord, il ne m'a mis que Thorum. Avec son portrait. C'est un ranger. Magie de la terre, hache et armure de base. Et il est niveau? Niveau 0, et il a déjà ça à ce stade-là. Waouh, il est rapide ou c'est moi là? Ok, d'accord, c'est bon à savoir. Et si je charge ma sauvegarde rapide, oui, c'est là, ça se tient. Bon. Ce qui conclut l'aventure sur Legend of Grimrock. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour Grimrock 2.